Bienvenue, entrez. La forme ? Toujours. Quand on parle d'un vin, il y a toujours la forme. Hein. Qu'est-ce qu'on doit connaître d'Aaron Vane? Bon, pour les fans de foot, probablement, qui suivent un peu le foot néerlandais, c'est surtout les jeunes talents qui deviennent après des grands joueurs. Van Nistelrooy, Huntelaar, par exemple, entre autres, pour nous, sont souvent des attaquants. Je pense qu'on a eu au moins 6-7 fois déjà le meilleur buteur du championnat néerlandais. Bas Dost, par exemple, qui joue maintenant au Sporting, qui a fait 34 buts chez nous. Il y a Hakim Ziyech, qui est maintenant le numéro 10 de l'Ajax, qui est pour moi le meilleur joueur du championnat néerlandais. Koeman, oui. Van Nistelrooy, Huntelaar. Il y a pas mal de bons joueurs qui sont passés, certains même de très grands joueurs, qui sont passés par Aaron Vane. C'est tout grâce à Rimo van der Velde. Okay. Le président, il allait voir les joueurs lui-même. Avec Van Nistelrooy, c'était lui. Il est allé à Den Bosch, Bois-le-Duc, il faut le dire hein, en français, pour voir lui. Il jouait, il avait 17 ans, il était là, il était numéro 10. Van Nistelrooy était avant numéro 10. Et il a rencontré, il a dit, toi tu deviens notre numéro 9. Puis il est venu, il a rencontré Fopedar, l'entraîneur, et ils ont travaillé de ça. Mais quand tu demandes maintenant à Van Nistelrooy, où tu as appris le plus, il ne va pas dire Manchester, il ne va pas dire Ferguson. Il ne va pas dire PSV, il ne va pas dire Real Madrid, il va toujours dire Fopenhague. J'espère que les gens peuvent bien voir le maillot. Ouais. Il y a plein de gens qui trouvent ça très moche, pas caché. Ça semble des cœurs, mais ce ne sont pas des cœurs, ce sont des nénuphars. C'est important parce qu'en fait, le maillot, c'est le drapeau de la région. Aux Pays-Bas, peut-être vous savez, bon, souvent on appelle notre pays la Hollande, mais on n'est pas la Hollande. La Hollande, c'est la région dans l'ouest des Pays-Bas. Par contre, dans le nord, d'où je viens, il y a aussi deux régions, Groningen, d'où je viens, et à côté, il y a la Frise. Et la Frise, c'est d'où il y a Aaron Vane et d'où ce maillot. C'est un club qui représente vraiment la région, parce qu'Aaron Vane, c'est une petite ville. Il y a plus de places dans le stade que des habitants dans la ville. C'est un peu le Guingamp des Pays-Bas, on va le dire comme ça. Et toute la région vit pour ce club. Le 15 octobre 2016, il y a le match contre Groningen. Ouais. Ça doit représenter un match particulier pour toi. Zet maar eens aan. En hij komt dan heel aardig ver en een prachtige goal. Van een van de smaakmakers dit seizoen van Heerenveen. Ma mère elle vient de Groningen, mon père d'Heerenveen. Et quand j'étais jeune, quand j'étais vraiment petit, je suis allé vers les deux clubs une fois. Et après, ils m'ont laissé faire le choix. Et Groningen, à l'époque, c'était un match Groningen-Ajax. Et l'Ajax a gagné 4-3. C'était encore la belle équipe de l'Ajax. Hein. Il y avait Liedmanen, Kanu, les frères Lebou, franchement, incroyable. 4-3, ils ont gagné. But gagnant de Kanu dans la dernière minute. Pour le foot, c'était incroyable. Mais l'atmosphère était très hostile. Et peut-être c'est pour ça que je suis tourné vers Aaron Vane. Aaron Vane, c'est aussi fanatique, mais pas si hostile que ça. Après, Groningen, ça a changé, mais oui, quand on a choisi une fois, c'est pour toujours. Comment est-ce que tu as vécu cette finale de Coupe des Pays-Bas? Est-ce que tu peux me raconter pour ouais. Qu'on puisse s'imaginer? Ouais, bon, déjà c'était très bizarre parce que j'étais pas aux Pays-Bas, j'étais au Bénin. J'étais dans une bar internet à Porto Novo. Avec un internet assez long, on va dire, pour suivre le match. Et c'était... Je pouvais rien voir. Hein. Les vidéos et tout, ça passait pas sur ces ordinateurs. Alors la seule chose que j'ai pu faire, c'est de réfléchir tout le temps la page. Et ça, j'ai fait pendant 2h30, parce qu'il y avait prolongation et penalty. Jusqu'au moment que j'ai vu dans le penalty que notre pire défenseur avait mis le ballon dans la lucarne et là je savais qu'on allait gagner. Simon, jawel, Gerald Simon. Heerenveen wint de KNVB-beker in 2009. Okay.
Et là, quand j'ai entendu ça, et là, on a gagné la coupe. Ouais, j'étais dans mon maillot comme maintenant, et, sur les rues de Porto Novo, et tout le monde me regardait comme si j'étais un fou. Et, ouais, j'étais aussi un peu fou, mais j'étais super content. C'était, ouais, c'était un moment très très spécial. Ouais. Il fut un temps, il y avait des éléments culturels dans la façon de jouer au football. Est-ce que c'est la même chose aux Pays-Bas ou est-ce qu'on peut pas... Bon, je pense que les Néerlandais, et ça c'est vrai, on est un pays petit, mais on est toujours arrivé à se faire remarquer. Et ça, avec le foot, c'est un peu la même chose. On n'est pas beaucoup, mais il y a toujours des joueurs créatifs, hein, aussi nos peintres, nos artistes. Il y a toujours des gens qui se sont fait remarquer. Et ça, sur le point-là, on peut dire que ça, c'est propre aux Pays-Bas. Moi, je préfère être 10e et de marquer 80 buts et prendre 80 buts au lieu d'être 5e et de marquer 30 et prendre 30. Et ça, c'est pour nous, c'est très important. Tu voues un culte à M. Georgios Samaras? Ouais. Tout le monde a son joueur préféré, je pense. Pour moi, ça devrait être un joueur des Rennes. Et... Avant, c'était pour moi Marcus Albeck, le Suédois, qui était aussi un très très bon joueur, probablement le meilleur joueur que j'ai vu dans le maillot des Rennes. Mais quand j'ai vu Samaras, le premier match de Samaras, en plus son début, c'était il venait de Crète, hein, de Lille, et il est venu à 16 ans, 17 ans à Rennes. C'était déjà incroyable. Pourquoi un Grec va venir à Rennes? Il ne parlait pas la langue et tout. Son père est venu avec lui, aussi un ancien joueur, et il faisait son premier match à 18 ans chez Groningen. Il marquait tout de suite le but. Et là, je voyais déjà avec ses cheveux longs et sa motorique pas parfaite. Et c'était, ouais, il y avait quelque chose que j'aimais bien dans le joueur. Samaras. Goal langs bij Matthijs. Samaras, prachtig langs de doelman. En oh, uit een onmogelijke hoek krijgt hij hem erin. Abel en Straf. Ouais. Peux m'en parler un petit peu? Déjà, le stade s'appelle le stade Abelenstra. Abelenstra, c'est un joueur qui est né en 1920, aussi quand le club a été créé. Alors, il est né un peu avec le club. Et dans les années 30, 40, avant la guerre, et dans les années 50, il a joué pour Rennes. C'était un vrai frison, quelqu'un vraiment de la région. Il est vraiment reconnu comme un des meilleurs joueurs des Pays-Bas de tout le temps. Avant, c'était un des idoles de Cruyff aussi, par exemple. C'était vraiment un grand joueur. Il a pu aller partout, mais il ne voulait pas. Il est resté à Rennes, et avec ça, il est devenu le symbole des Rennes. Bon, bah merci, Ruben. Merci à toi. Grand plaisir.